Là, on reprend. Nine Souls détente aujourd'hui. Hyper, c'est pas grave. J'ai réussi à résoudre un truc chiant au taf là. Donc, on est content. Donc, hier, qu'est-ce qu'on avait fait hier? On avait fait du nettoyage encore. On avait parcouru un peu les mines. Tac. On avait parcouru un peu les mines. Je vais y arriver. Ce qui nous avait permis. Non, le sauvetage du village, on l'avait déjà fait. Qu'est-ce qu'on a fait hier, du coup? Il y a eu beaucoup de blabla. Ah, si, du coup, on était arrivé là, oui. On était retourné au truc du feu, parce qu'en fait, on avait regardé la carte. A priori, il n'y avait plus grand-chose où on pouvait aller. En tout cas, pas qu'on sache. Sachant qu'il y a toujours cette zone-là, il me semble. Ou je sais plus. Ou là. Enfin, bref, il y a des endroits où on ne sait pas trop comment on peut avancer, là où il y a les plantes. Donc on est retourné à l'endroit du feu et on a réussi du coup à monter. Donc là c'était les endroits où il y a les fours là qui nous crament là. Et on a réussi à prendre l'ascenseur à droite là en haut. Pour aller plus haut. On est sur cette nouvelle zone. On est arrivé par l'ascenseur là-bas, on avait. Voilà. Et on est arrivé jusqu'ici. Il y a des petits machins, les trucs qui font waouh, c'est des espèces de trucs de feu là. On va en voir, il y en a un qui va sortir là, voilà. Non, je croyais que c'était... Oula. Oula. Pourquoi ne pas faire ça, tout simplement. Il y a d'autres qui vont arriver. Ok, j'ai tué deux bonhommes, mais comment je monte? Dans le doute, hein. Il reste. Il reste in peace. Jade. Il y en avait une... Ah oui, on en avait débloqué une, ce qui avait l'air super fort. Ah oui, dégâts internes quand on parie, c'est insane. Mais bon, pour l'instant, on garde les trucs qui nous font gagner plus d'argent et plus de... plus d'expérience. On a ouvert une porte. Ah, ça nous permet de revenir directement. Là. Très bien. On a ouvert la porte à gauche. On peut aller à droite. Pour le four. Si on pouvait les désactiver ces fours là. Beaucoup trop tard. Eh, stop. Ah, ils m'ont tué. Ah, bien joué. Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait bouli. Je me suis fait bouillied. C'est derrière, mais il a refait un pas. Il a refait un pas en arrière, le méchant. Il rapporte 80 gold quand même. Hein. Il donne pas mal lui. Pour un mob milieu de gamme, on va dire. Ah lui ça renvoie pas les pics sur lui. On est là-bas. Faut aller à gauche et à droite. Je suppose que la suite est à gauche, donc je vais retourner à droite. Tergiverser.
Quoi? Ouais. Pas mal niveau thune là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit quand même. Allez, on va rejoindre la partie droite, c'est cool ça. Hop là! Bien fait d'aller par là. Bon, voilà, comment ils ont fait des. Waouh. Composant basique, la balle de thune. Hop. Je vais le faire tomber. C'est moi qui suis tombé. Il va être chiant. Oh. Ah, il a fait un troisième coup. Boom. Ah oui, là je reste appuyé. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris le truc où je restais appuyé maintenant. Du coup, en fait, là-bas, c'était peut-être pas... Bon, on va retourner à gauche. On a débloqué des chemins, donc normalement, c'est raccourci. Ah. Comment je fais pour aller là-haut? Ça prend à jouer. C'est ça, c'est sûr. Un truc comme ça, c'est sûr. Mais... Ah, peut-être en... Non. Non. En courant. Genre, je l'ai pas là! Attends, on peut? Ça marche ça? Oh oui! Oh je. J'avais jamais fait attention. Du coup, on peut double dash en fait avec le talisman. Oh, il doit y avoir des skips de fou. 10 heures de jeu pour. Ça pour un petit truc, mais. Il y a forcément des skips. Forcément. Jamais fait attention. Et depuis le début du jeu en fait. Je pense que c'est fait exprès. Alors qu'est-ce que je fous ici? Ah mais pourquoi je suis pas descendu? Bête. C'est marrant ça, j'aime bien. Pas une idée de fou mais c'est agréable. Oh là, il y a un truc pour redescendre tout en bas, c'est sûr.
que là, il y a un saut sur le côté, le saut de la mort. Ça servait à quoi, ça, c'était? Calmer 2 secondes. Aussi vite que moi, voire plus vite. C'était peut-être pas là. J'aurais peut-être dû aller à droite en fait. Je suis pas allé jusqu'au bout à droite alors qu'il y avait toute la zone. Ah non. Comment je monte là? Sauter dessus tant qu'ils sont là. Ah, oh, trop stylé. Trop stylé, ouais, c'est beaucoup trop stylé. C'était bien là, tout ce passage. Et ça a ouvert une partie d'une porte. Il fallait peut-être bien que j'aille tout en dessous alors. Je suis jamais allé en dessous, mais il n'y a pas de raison. On va y aller juste pour le principe. Pour dire que la carte se révèle. Et là du coup j'ai tout vu là. Ah non, pas tout à droite. Ah bah c'est là où il y a la porte justement. Hein, ça va me permettre de repasser par en haut. Il n'y a aucun moyen d'aller le chercher. Oh non. Bon bah. Bon. Ouais, mais bon. C'est juste cramé là. Non, et parce que. Ok. Fort ça. On va réussir à aller les buter. Essentiellement à tirer des flèches derrière l'un pour que ça touche l'autre. Ça, putain, je l'ai pas tué. Peut-être parce qu'il était pas dans le champ de vision, mais je pense qu'il avait normalement pris assez. Hein. J'espère que c'est pas ça le problème. Il a vraiment rien pris. Vite. Ok. Il y a encore toute une zone là. Grand. Ok, donc là maintenant je dois pouvoir aller là-haut. Ok, donc lui c'est un contre, il faut lui mettre. Non, c'est ouvert. Je pense que du coup je meurs pas. C'est déjà pas mal. On a réussi à douiller le truc. Pour l'instant je peux pas aller en haut. À gauche, il doit y avoir quand même un truc dedans. Que c'est juste un cadeau quoi. T'as le bonus. Bien. Un boss t'appuie. Hein.
Si ça désactive les feux, je serais tellement chaud. Ah, il va me donner encore un fertilisant? Ok. Je vais pouvoir encore faire grossir l'arbre. Des toxines et des dommages irréversibles. On s'est ajouté. Ah, c'est. Va falloir que je le mette au moment où le où Jaiquan il va aller se faire transmuter là. Ah oui, ça enlève tous les effets de modification génétique. J'aime beaucoup. Encore une fois. Donc c'était pas un truc secondaire du tout, hein. Il fallait passer par là. Il est bien ce jeu quand même. J'espère que je passe au bon moment. Là, si je redescends, le problème, c'est que c'est loin, quoi. Oh, si j'avais fait le tour par la droite, je pense que c'était bon. On va attendre là, et on va redescendre. En même temps, je sais même pas où aller, là. D'autres. J'ai oublié de redescendre. Il y avait rien par là. Ah non, il y avait rien, je suis obligé de redescendre. Je vais aller à droite. On va refaire le tour par la droite. Là, toute la gauche, j'ai fait. Ce que j'ai pas essayé, c'est de sauter tout à gauche. Mais bon. Là, on a accès à la sauvegarde ou pas? Oui, par en bas. Tac. Là où je suis pas allé, c'est en haut là-haut. Encore! Encore un four, mais stop les fours, hein. Bon, on va se heal. Oups. Et en dessous. Lui déjà il y a. On a 1500, je sais pas si je peux. Ça vaut le coup de retourner au pavillon. C'est vrai que non. Ouais. Alors j'oublie qu'il en fait 3. Ok, donc toute la nouvelle zone là, on va se heal. J'étais persuadé d'être bon. On monte là. Quoi? Pourquoi? Pourquoi mon saut il s'est arrêté en l'air là? Ok, j'ai pris double tarif, je suis pas sûr que c'était mérité. Mais... allô? Oh, allez, il allait si loin. J'ai appuyé. Il devait y avoir quelque chose en bas, j'aurais peut-être dû y aller d'abord. Ça va, un méchant monsieur. Ah bah oui. Hein. Je vois pas comment je monte. Là, je peux me barrer. Ah, sa vie remonte. Oh, j'ai pas le droit de faire ça. Tous les connards avant, hein, même. Je
l'ai pris. Est-ce que j'ai encore assez de vie pour m'occuper de du monsieur en bas là? Une question qui se pose. Non! Non! Et arrête de courir! Oh j'ai... Si j'étais pas resté appuyé, c'était bon. Mort! Oh non! J'ai déconné, je l'avais eu! Oh putain. Il était gratuit. Hein. Bon, par contre, c'est loin là. Ouais, c'est loin quand même. Un poil loin. On a appris, on peut faire tout le tour pour tuer tous les autres. Évidemment. Là, il prend pas la sauce. Mais. On va réussir à le ramasser. Bien joué. Bien joué, c'était exactement ce que j'avais pas prévu. Récupérer ma thune, c'est déjà pas mal. Ok, on peut recommencer. Il était pas très très dur. Quand on fait nimp, et ben il devient dur. Oh, ça c'est trop bien. Et du coup, ça, vu que moi je fais beaucoup de charge strike, ça permettrait d'appliquer les keys dessus. Oh non, mais il y a trop de bonnes idées. J'ai pas été en haut du coup là-bas. Ça offre un truc qui descend je ne sais où. Et en haut. Rien. Là-haut, il y avait rien. Hein. Non. Par où on commence? Là-bas? Peut-être. Je sais plus du tout si en arrière j'avais tout bien fait. Ah non, j'ai pas fait le chemin en haut là-haut. Ah non, mais il était bloqué. Il était bloqué, je crois. J'espère. Mais je peux aller plus haut. Enfin, je pourrais aller plus haut.
Ok, mais ça je peux pas les arrêter. Pas trouver comment. Ah, j'ai une idée. Là, ça se peut. Oui. Ah, je pouvais tous les arrêter depuis le début! Où les autres? Ah, c'était trop bien fait! Putain, les idées sont trop bonnes, je suis trop bête! Ils avaient dit qu'on pourrait les désactiver et tout et tout. Putain, mais c'est du génie! Et moi qui suis pas très malin. Pourtant, c'était marqué, hein, leur marteau il était rouge donc. Ah, c'est beaucoup moins chiant du coup. Aïe aïe aïe. Du coup là on peut aller à droite. Et du poison. Parfait. Donc je pense que la suite est en haut, donc on va bien aller à droite où je ne suis pas allé. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Finalement, la zone que j'avais l'impression que ça allait être la plus horrible du jeu, bah c'est pour l'instant peut-être la mieux. Peut le pousser dans. Ça va permettre de descendre ça. Oh, il y a quelqu'un. Ah, la carte. Donc. Salut. Ouais. Profite d'une éternité sublime, machin. Intrus. Ah, attends. C'est juste qu'il va faire ça à l'infini. Merde. Bien joué. Lui, on peut rien lui faire. Attaque. Non, il veut pas. Relou. Le relou. Allez. Non mais ça servait forcément à quelque chose de le voir lui. Non? On va descendre, voir si ça m'amène à un nouvel endroit ou à un ancien endroit. Un ancien endroit. Quelques golds en même temps, on remonte, on va save et puis on va remonter. En ouf. Donc la save elle était où? Elle est pas à côté hein. Et du coup comment on remonte facilement là-bas? Je sais pas si on peut. Tac. C'est con, j'ai presque un niveau. Et combien de thunes? Non, c'est pas là. Est-ce que je repasse 2200? Je pense que je rentre à la maison. Et puis on va au pavillon, acheter 2-3 trucs. Donner le poison. Mettre bien. Un peu de blabla avant le boss. Là-haut. Il a des trucs à dire, lui. Non. J'ai pas eu de pip upgrade. Pour améliorer ça, ça serait pas mal. Enfin, les deux, là, ça serait cool.
Les flèches, c'est trop fort, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Oh, y a personne qui a envie de me parler, c'est fou ça. Ça arrive jamais. Qu'est-ce qu'il reste à acheter? Rien. Un computing unit. J'ai pas assez, je pense. Recycle. Oh. Oh. Je l'ai acheté pour 100 et ça me donne 200, 2000. Donc je peux monter à 5000 et avoir un computing unit de plus. Je pense qu'on fait ça, hein. Donc ça fait 4000 plus 800, ça fait pile poil. Vendre la coin de Chuan Chuan, c'était un des objectifs. Team. Hop, 5000. Combien le prochain? Ah, on peut pas plus! Alors ça c'est nul, j'espérais qu'on puisse plus. Ok. Un peu déçu. Donc je suis au bout du tunnel de ce côté-là. D'accord. Et là, on va regarder tout de suite ce que je peux mettre du coup. Jade. Donc j'ai un point de plus. Donc soit j'enlève un truc à deux. Donc ça pourrait être l'expérience. L'expérience, je suis quand même pas très loin du bout de l'arbre. Enfin, pas très loin. Ça, c'est cool d'avoir des dashs peu souvent, quand même. Même si le dash vers le bas, je l'utilise jamais. Ou j'enlève la thune. Ça sert à rien. Au pire, je vire ça et ça, et je prends le truc à 3. Ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Bah, il est où? C'est lequel? Ça. Là, je vais faire des strikes qui vont faire super mal. Puis je peux lui donner du poison. Des restes de cheveux. Dis-moi pas que ce sont tes cheveux ou tes poils. Je n'ai pas l'habitude de me transmuter. Donc mes cheveux, ma fourrure est sans toxine. Ce que tu n'aimerais pas. C'est ok. Tant que c'est pas les tiens. Mais ça me dérange pas de manger des poils, mais juste pas les tiens. Ouais, il est en train de blackout. Alors c'était à qui ses cheveux? Il devrait mieux ne pas savoir. T'as un niveau de plus là, non? Ah si! Pas le problème. Que l'alcool ne peut passer. Rien, juste des sentiments compliqués. Les gens du village viennent me voir, me demandant des antidotes. Confiant. Pas vraiment le mec bénévole, quoi. Ils arrêtent pas de supplier, donc je finis toujours par aider. Il y en a un vieux ou une vieille. Qui m'a offert un lit. Ils ont également réparé mes vêtements. Pas habitué à ce que les gens du village me traitent ainsi. Ils te traitent bien. Pourquoi ça te préoccupe? Je pensais j'arrivais à être à bien m'entendre avec ces stupides villageois. Que penserait le gourou de moi? Oh, il a un crush. Encore ça, gourou. Tu en parles souvent. Ouais. T'as aucune idée à quel point elle peut être frustrante. Elle savait tout. Et elle savait qu'il y avait quelque chose dans notre village. Ça c'est quoi? Personne l'a cru. On sait qu'elle était folle. Un jour, elle a trouvé un passage secret dans la cave. Elle allait montrer la vérité à tout le monde. Je voulais y aller avec elle, mais elle a pas voulu. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Peut-être que les chances, ouais, elle a probablement rencontré un garde.
Stupide villageois. Disait qu'elle bah, qu'elle croyait pas, quoi, enfin qu'elle était sans croyance à cause de son insolence. Avant que je m'en rende compte, on avait déjà choisi un chaman pour le village. Ils ont utilisé l'histoire de la gourou pour intimider les gens. C'est pour ça, c'est ce à quoi tu penses tout le temps. C'est pour ça que non, que tu te balades tout le temps, t'essaies de la retrouver. Au début, oui. Et plus je vois, moins j'ai de. Moi je pense que elle est encore en vie. Tant pis. Au moins je suis allé jusqu'ici. Cette gourou m'a pas appris toutes ces choses en vain. J'ai juste besoin de devenir plus fort. Peut-être qu'un jour j'aurai pas besoin de des autres pour m'aider, quoi. Tu peux toujours faire ton propre chemin. Mais tu peux pas imaginer la solitude que tu vas endurer. Tu dois être certain que c'est ce que tu veux. Attends, mais il m'a pas donné du tout de truc. Mon coffre-fort. The place where a bunch of boxes fire. L'endroit où il y a plein de, ouais, de boîtes qui flottent. Je suis allé à l'intérieur de certaines et j'ai rien trouvé de spécial, quoi. Des ressources rares de Panglai. Même s'il y a plein de choses qui servent à rien. Comme ces vêtements nobles. C'est quoi le problème avec les vêtements? Au moins, ils te tiennent chaud. Et si j'avais su, j'aurais ouvert plus de boîtes. Très bien, bah, je crois que c'est bon là. Go to the last node and go to the boss probablement. Hein. On va peut-être pas passer un aussi bon moment que jusqu'à présent. Donc faut remonter là. Donc droite, haut, haut. Attends, le chemin là, il s'était ouvert là, je sais plus. C'était pas ouvert, je suis obligé de faire le tour. Oh, trop bien, j'ai pu redasher grâce à ça. Mais pas le chemin à droite plutôt, au lieu de faire tout le tour comme un as. C'est pas grave. Au moins, je vais pouvoir tenter le saut de l'ange, voir si ça fait quelque chose. Le saut de l'ange, il était en bas. Youhou! Qu'est-ce qui se passe si je vais là? Il était prévisible, hein, plutôt. Oh, je pensais pas qu'il allait aller en haut et lui non plus, hein, il aurait jamais dû aller en haut, hein, j'étais en bas. Des conneries. Oh, ça lag. Merde, faut redescendre. Oups. Bien par là. Ouais. C'est bien qu'il y ait une save en haut. Rien n'est moins sûr. Bon oh bah si, j'aurais dû faire ça depuis le début. C'est logique, hein, la sauvegarde avant le boss. Alors, qu'est-ce qu'on a des deux côtés? L'argent un petit peu et surtout Sword of Jai. Je
pourrais donner à Chuan Chuan. Chuan Chuan. Allez, c'est parti. Faire victimiser, genre. Et du coup que je le mette à l'intérieur. Non. Avant de l'ouvrir, faudrait que je mette ça dedans, voilà. Pour l'affaiblir. Là, il va ressortir un tout petit chat. C'est très drôle qu'il soit nul, vraiment nul. Ok, fight dirty. Ah, c'était pas obligé, j'aurais pu essayer de l'affronter en mode... Bon, après le jeu. J'aurais pu l'affronter normal. Il aurait été plus fort, je suppose. Après peut-être qu'il m'aurait défoncé quand même sans et que j'étais obligé d'utiliser. C'est marrant qu'il devienne un tout petit chat et qu'on one shot. Ah. Échappé, amusant. Mais je dois dire, maître Yi, pourquoi se dépêcher? Tu veux un combat? Toujours prêt. Take one. Ah, il est tout malade. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que t'as changé quelque chose au crucible, au truc de transmutation? Brillant, juste brillant. Je savais que tu pouvais la jouer sale. Je savais qu'on était pareil. Et toi. Comme s'il y avait une raison de la jouer proprement avec une merde comme toi. Si touché. La jouer sale, c'est une tradition solarienne. C'est dans nos gènes. On doit apprendre à être plus centré sur soi. Comme ça que mon clan est resté... en dehors de la masse, quoi. Comme c'est aussi à cause de ça que le royaume de Ji a été, enfin, s'est auto-mené à sa destruction, quoi. Quand Taigong a mis en place cette maladie, quand Taigong mettra le retour de notre royaume sera juste juste là, quoi. Mais tu pourras pas être là pour le voir. Pourquoi je te mets pas dans un truc de transmutation pour te transformer en garde? Je te mettrai même devant pendant les parades militaires. Allez, allons-y. Il fait quand même des trucs. Wow. Même comme ça, je vais prendre la sauce alors que il est plutôt éclaté. J'ai du mal à comprendre pour l'instant. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment contrer. Parce que la taille de son arme laisse tomber, quoi. Pas contrer. Raté. Ouais, son arme elle prend trop de place. Là, j'appuie mais toujours un peu tard. Aïe. Merde. Ah, il se heal. Merde. Je suis arrivé à... Thank you.
je suis mort sur ça. Oh, c'est con parce que je pense que j'avais sa première barre. Ah, il m'a one shot là. Je pensais pas que. Je pensais qu'il allait taper plus loin. Mais là, du coup, il s'est décalé et il a tapé après quoi. Ah oui, non, mais ça c'est chiant. En fait, il tape sur toute la zone là. Là, faudrait sauter et contrer. Facile à faire que de faire le vrai contre là. J'aurais pas dû faire ça. Les gardes pétaient son bouclier. Encore une fois, je devrais pas faire ça. Merde. Eh oh. Oh là là, je me prends tout l'enchaînement. Allez. Wouah, j'ai pris une double hit là-dessus. Et là, je vais de l'autre côté. Même comme ça, il est pas si évident. Je me demande à quoi il aura ressemblé en phase complète. Quoi. Ça va le truc qui dure 200 ans à l'écran là? Oh non, ça c'est nul, j'aurais pu le contrer quand même. Le truc c'est que ça a l'air d'être qu'une P1, donc je pense que ça va être chaud d'aller au bout quand même. Oh la dernière... Quoi? Oh non! Non, 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 ça c'est vraiment nul! Oh, ça c'est vraiment, vraiment nul! Là, le coup, j'aurais jamais dû prendre ça. Hein. La portée, il a glissé sur 200 mètres, c'est bon.
Je crois qu'il était en train de se heal. Merde. Merde. Non. Oh, j'ai pris tout l'enchaînement. Oh, aïe 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 aïe. Quand tu prends l'enchaînement en entier, tu prends les dégâts. Tu prends la masse de dégâts. Et quelques enchaînements là quand il... C'est la pire attaque qu'il peut faire là, celle qui est... qui fout du rouge partout là. Merde, j'ai pas réussi à dash. Ok. J'ai appris quelque chose, faut vraiment pas rester au milieu, il y a des bombes de toute façon. Le plus dégueulasse du monde. Juste me heal. Non. Du coup il va se heal. Ah, évidemment que c'était qu'une P1. Je vais pas aller au bout. Oh la vache. C'est dur quand même. J'ai déjà eu du mal avec la P1, donc la P2, je pense que... J'espère qu'il a pas de nouvelles attaques. Un petit épée quand même. Le temps. Ok, il est vraiment dur. Même abîmé comme ça, il est dur. Et après, il se TP, c'est chaud, donc faut plutôt que je garde mes munitions, quoi. En gros. Multi-hit sur ça, c'est vraiment chiant. Oh là là. Ça aussi. Aïe.
full heal, mais j'ai une barre, j'ai que 4 trucs quoi. Et il est plus fort sur la P2, donc j'ai pas toutes mes flèches. Ouais, bah, j'ai plus de vie, j'avais pas vu, j'avais plus. Une barre ennemie. Il est solide quand même. Ouais, ça marche pas, évidemment. Non, mais c'est chiant cette attaque, putain! Elle prend toute la map là. Et à un moment, voilà, t'es niqué, du coup, tu te fais double hit. Oh là là. Ouais, mais parfois, tu te fais vraiment bullshit, quoi. Il y a eu un moment sur l'attaque, c'était, il avait fait son attaque complètement de l'autre côté. Là, j'ai touché le bout du pommeau de sa lance, quoi. Mais bon. Ouais. Je lui fais aucun dégât. Oh non. Ça, il y a moyen de la contrer, hein. De vraiment la contrer. Time, faut que je la prenne. Il est pas passé, j'en sais rien. Ok, ça s'est un peu mieux passé que les précédentes. Voilà, parce que... Bon, même c'est peut-être pas si grave. Ça, c'est plus grave. Ça, c'est grave aussi. Ça, c'est tout ce que j'ai pris là, mais enfin, j'en ai pris beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu. Non, il a tapé du bon côté. Oh, du meuil. Non, mauvais côté. Non, je l'avais, putain, mais ça me saoule que ça parte du mauvais côté. Yeah. Ça, c'est sa grosse attaque rouge qui me met dedans parce que je pense pas faire ça là. Alors que c'est possible, hein, mais faut juste y penser. Putain, je l'avais là. Dommage.
quand même là. Côté dash. Dash qui part pas. Allez. Ah oui, je prends ma flamme du coup quand même. J'ai dashé, hein. Là j'ai vraiment dashé du bon côté donc ça c'est dégueulasse. Faut que j'apprenne à la parie, hein. Si je la parie je pense que en plus je dois lui faire des pas mal de dégâts et tout. Faut que je la parie. Alors, ah merde, je me suis enflammé du coup. Trop content de moi. Ah oui. Ok, une fois que t'as compris comment parer ça, ça va mieux quand même. Mange. Allez. Placé. J'ai voulu aller me suicider toute seule là, mais j'ai pas le temps là. On va le bourrer un peu. Ok, ça je l'aurais pas vu. Il est dur à toucher dans la phase 2. Merde. Oh oui, il y avait le temps. Ah putain, mais il est trop bien ce boss. Il est trop bien. Et en plus, il t'apprend à jouer. C'est juste moi qui étais un peu lent, mais. Je pensais vraiment que ça se terminerait comme ça. Que ça serait la fin, quoi. Encore une. S'il y a une P3, ça va vraiment être chaud, là. Ah oui, il y a une P3, ok. Bon, j'espérais qu'il n'y avait pas de P3, hein, vraiment. Merci d'avoir été ici, machin. Maintenant, j'endure la douleur entièrement. Ok, bon, on va se faire retrouver. Donc il y a trois phases quoi. Les héros sont forgés dans l'agonie. Oh, il va exploser tout seul. Ouais, voilà. Okay. Ah, il va me donner un fruit en plus. Oh yes! No pain, no gain. Vraiment incroyable. Le boss est trop trop stylé. J'aurais pas dû rager comme un débile, mais ouais. Le boss est... Wow. Il est bien foutu. Ça t'apprend à faire ça. Que ça change tout le fight de savoir le faire. Non, trop trop bien. Beaucoup trop bien. Jake One, meilleur boss. Homing Dart. Je vais le donner à Kwafu. Pour avoir encore un nouveau type de flèche. On peut récupérer son saut, on en a que 4, hein. Je crois qu'il y en a 9, donc c'est pas fini. Hein.
Ah, trop bien. Un jour, ce sera mon tour de faire honneur à nos ancêtres. Ah ah ah, quel héros stupide. On va voir à quel point tu peux prendre. Admettre. Vous allez plus au-delà des limites. Attends, mais j'ai pas le temps, remets. Ah, arrêtez ça tout de suite. Enfin, allez-y doucement avec mes expérimentations, quoi. Mes sujets expérimentaux. Longue vie au royaume Jai. Qu'il dure pendant des millénaires. Une préférence là, hein? Ça doit être la puissance, non? Skill of Jaekwon. Ah non, c'est discipline. Ok. 4 sur 9. Ah. Bon, ça se fait que je sois quand même tout fatigué. Moi aussi, je suis balade. Nial entrant. Seigneur, maître. Que vous avez. Il est passé avec Jaekwon, quoi. Comment ça s'est passé? Je respire toujours. D'habitude, tu te fais pas autant de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le firewall du pavillon a intercepté un signal étrange. Est-ce que ta localisation a été exposée? Pas encore. J'ai eu peur que nos adversaires soient très proches. Ok, je reviens immédiatement. Fais attention à Chuan Chuan. Et laisse personne entrer ou sortir. Comme vous voulez. Pourquoi la world map a été updated? Ah, ils me disent qu'il faut absolument aller là. Okay. Bah j'arrive, j'arrive. Hein. Hop. Heals. Ça c'est quoi? Unbounded counter, je sais pas ce que c'est. Ouais, le maximum quick charge, c'est pas mal quand même. Que les dégâts de talisman, je m'en fous, je les utilise quasiment pas. Mais vu que je peux les mettre sur mon épée, c'est cool qu'ils aient pensé à faire ça, parce que du coup, en fonction de ton style de jeu, tu peux t'adapter. C'est... Ouais. Vraiment, le jeu est fou, hein. Très 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 bon jeu. Hein. Je me suis pas reste, je crois. Mais... Je suis reste. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? Je suis de retour, donne-moi un rapport. C'était quoi le signal? Toujours incapable de déchiffrer quelque chose. Les signaux, en gros, j'arrive pas à les interpréter, quoi. Est-ce que tu as trouvé la source? Oui, je l'ai marqué sur votre plan, quoi. Ça pourrait être un piège, faites attention. C'est cool, on savait plus où aller. Tu me dis que c'est où? Juste à côté, quoi. Bremen, juste à côté. Eh bah, très bien. On va parler aux gens, s'il y a des trucs à faire, et puis on va s'arrêter là, j'ai faim, je vais manger. Truc à dire, lui? Donc. T'es enfin revenu. Comment t'as fait pour rester aussi longtemps dans cet endroit? La Transmutation Factory. Tout brûle. Donc ouais, les enfers existent vraiment. Personne n'est puni. Sous transmutation.
C'est ça qui en fait des monstres à armure. Est-ce que n'importe qui peut créer des monstres avec de la technologie? Une armée de monstres? C'est très bien de pas faire ce genre de choses, quoi. Oh, y a un livre là, attends. Ça veut dire que je peux le prendre, là? J'ai jamais fait gaffe. Ça. Légende de Porky le héros. Ah, c'est ce que Chuan Chuan a écrit. Cool. J'ai même pas fait gaffe. Ça doit se revendre. Des trucs à dire. Ok. En tant qu'ancienne arme, enfin arme ancestrale plutôt quoi. Tes frères devaient être extraordinaires. Ouais, la peau de nos corps vient des anciennes bestes Taoti. Avec le prix faramineux que l'on a coûté, c'était normal que voilà, on fasse des choses extraordinaires. Entendu que parmi toutes les armes humanoïdes de l'ère turbulente, lui et son frère, enfin moi et mon frère étions les plus dangereuses. Pourquoi, comment ça a entendu? Mon intelligence n'était pas encore au taquet à l'époque. Et j'avais pas de mémoire. J'ai pu juste me référer à d'autres sources de données. Je suis content qu'ils aient abandonné le projet Battle Lord. Seigneur de combat, quoi. Et s'il force un faible. Télo, enfin, c'est pas ça, scolaire, c'est. Intellectuel comme moi à me battre, je préfère mourir. Tu peux pas t'attendre à ce que je suive quand tu dis qu'à la fois t'es une des armes les plus meurtrières et que en plus t'es faible dans le même temps. Ça n'a point de sens. Give! Sword of Jai. Voilà, est-ce que tu arrives à manier ce truc-là? C'est le plus gros couteau que j'ai jamais vu. Fais attention, ce n'est pas un jouet. C'est vrai. Ça a été fait par un très bon enfin, un très bon. Forgeron. Je pourrais bien couper les légumes avec ça. C'est pas fait pour faire là pour couper les légumes. C'était pour se défendre. Le pavillon est pour l'instant safe, mais il y a quelque chose qui arrive, tu vas devoir apprendre à te défendre. Où est Jai Tong? Qui est Jai Tong, ton ami? Où t'avais vu ce nom? Je suppose que c'est marqué sur, voilà, sur le manche. Ah ouais, pas important, tu dois pas savoir qui c'est. Je peux pas voler les trucs des gens sans leur permission. Tout le clan Jai vient de. Bah de. Du massacre des voisins pendant la guerre, quoi. Je leur montre juste ce qu'ils font, quoi. Enfin, je leur inflige la même chose. Et c'était. Qu'ils le méritaient, quoi. Je le sens pas bien. Prends-le, tu vas avoir besoin de t'en servir bientôt. Enfin, un jour ou l'autre, quoi. Et s'ils viennent le rechercher, est-ce que tu vas leur rendre? T'as pas à t'en inquiéter, tant que je suis là, tu restes avec moi, quoi. Pourquoi t'as appris les arts martiaux? Mon mentor m'a dit que en forgeant son corps, ça pourrait m'aider à protéger ceux qui me sont chers. Et j'ai juste suivi ses suggestions. Pourquoi oncle Chubby ne le fait pas? Parce que pour lui, ça lui convient pas, quoi. Il a l'air intimidant, mais il pourrait pas taper une mouche, quoi. Il pourrait pas faire de mal à une mouche. Donc là, il va me faire des nouvelles flèches.
des fléchettes. Bon, celle de Jaquan. Donc c'est à ce à quoi il ressemble à l'intérieur. On va en faire une flèche. Ça te dérange pas d'utiliser les mêmes armes que lui. Tant que l'utilisateur a de l'intégrité, une arme c'est juste une arme. À moins que tu penses qu'en utilisant ses armes, je vais me comporter comme lui. Pour être honnête, t'es pas quelqu'un de très amical non plus. Donne-moi un peu de temps et je te ferai une nouvelle. Et voilà, Shadowhunter, c'est un chasseur fufu, quoi. Je sais pas comment traduire. Ah, elle est ok, c'est une flèche qui est tête chercheuse. Parce que c'est bien. Hulk. Tu as battu l'héritier du clan Jai. Ça a dû être dur. J'ai du mal à croire qu'il faisait des transmutations sur son corps à ce point. Ça fait peur. Je pensais que tu disais qu'il était plutôt stylé. Stylé. Ce que je disais, c'est... Enfin bref, c'est deux choses différentes. T'en veux pas, Ying and Jai ont toujours été des alliés. Les fourneaux de transmutation et les systèmes d'armes qu'ils ont utilisés... tout été créé par tes ancêtres. C'est pas parce qu'on a participé à leur création qu'on aime tuer. La plupart d'entre nous avions honte de cette part de notre histoire. J'ai peut-être été un peu loin. Ok. Lui, il va peut-être me dire comment m'occuper de son pote, là, non? Non. Eh bah, très bien. Oups. On sauvegarde. La statue, il me parle de mes nouvelles flèches. Reste, et puis voilà, on reviendra sans doute cet après-midi. Bon app et à bientôt.